Là c'est le moment où il faut nager pour rentrer au bateau. Là c'est le moment où j'ai très peur. Le bateau il est là et entre Salomé et le bateau, il y a plein de jellyfish, donc des méduses partout. Bon, j'ai peur, voilà c'est bon. Aïe 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 aïe. Bonjour tout le monde. On vous retrouve pour le deuxième tour de bateau. Et avant toute chose, on va acheter la crème parce que là on a un petit peu cramé hier et on en a plus. Premier achat, la petite crème. Okay. La mate. Maintenant on a la crème solaire. On va pouvoir survivre. On peut partir. Parce que ça cogne. Hier on a eu quelques petits coups de soleil, gentils, mais sans crème solaire, on va juste mourir sur le bateau. Finalement notre premier arrêt ce sera la Hidden Beach, elle est cachée derrière les rochers là-bas donc il faut qu'on y aille en nageant. Donc, je sais pas trop comment on va faire pour filmer ça, sûrement avec la GoPro et puis voilà on vous amène avec nous. It's not poisonous here, it's not this thing. This one you but, don't have to touch? Like you can see the small one, yeah. It's a very sting. Ah yes! Yeah, it's small one. So small. So you can touch, it's like a jelly. Yeah. Oh! That's very good. Attends, j'en vois partout ou c'est moi maintenant que je suis. Tout ça, c'est des jelly partout, tous les petits trucs. Ok, bonne partie. Ah mais regarde, elle est là, la grosse. Regarde, il y en a une grosse là. Oui, j'ai vu, ouais. Ça est, I don't care about everything but just the jellyfish. Help me. Ah, mais voilà pourquoi, comment tu veux que je me réconcilie avec les jellyfish. Je saute dedans. J'ai pas peur de grand chose, mais les jellyfish. Je déteste les méduses. Et le mec nous fait sauter dans les méduses. La Hidden Beach, là pour l'instant, c'est magnifique. Mais j'avoue, avec toutes les méduses, c'est assez chaud d'y aller. Hein. Oui. Here. Here, the big. Ah, it's called a dragon. What is it? It's called a dragon? Yeah, it's small one. It's so cute. C'est Mouchou. Oh, it's so beautiful. Elle est juste là. C'est la plage cachée, soi-disant. C'est la plage cachée. Pour la trouver, vous devez seulement trouver l'endroit, sauter dans une mer de méduses, dans une mer remplie de méduses, vous faire piquer, traverser des rochers, croiser des dragons Komodo et ensuite vous trouvez la beach. On vient enfin d'atterrir sur la Hidden Beach. Cette plage est super mignonne, il y a une eau translucide, transparente, elle est magnifique. Partir, on passe par un petit chemin. Ah, ça c'est notre guide. Il fait des bruits de chevaux. Oh oui. Hey, okay. Ah, Vincent, il se fait avoir. C'est un petit blagueur. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est jolie. Là, c'est le moment où il faut nager pour rentrer au bateau. Là, c'est le moment où j'ai très peur. Le bateau il est là et entre Salomé et le bateau, il y a plein de jellyfish, donc des méduses partout. Bon, j'ai peur, voilà c'est bon. Let's go. Aïe 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 aïe. Beaucoup
beaucoup de méduses. Ça, je pense qu'on l'a compris. Donc, à part cette petite aventure méduse qui nous picotait un peu de partout, c'était très 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 beau. Vraiment magnifique. On vient d'arriver à Secret Beach, la plage secrète que je ne vois pas pour l'instant. Yolso. Ça c'est l'entrée de la Secret Beach qui est non, en effet plus plus secret. Moi je vais commencer à filmer Vincent parce qu'il arrête pas de tomber, alors ça va être un gag. C'est pas vrai. Parce que c'est très compliqué ici de marcher. Jelly. Ah, c'était une blague. Eh oui. Ça va être fini là. Tu te moques de moi, je me moque de toi. Ouais bah tout à l'heure tu te moquais mais il y avait vraiment une jelly. Hein. Elle était grosse comment tout à l'heure? Comment tu l'as vue? Non. Non, elle était comme ça. Comment tu l'as vue? Comme ça. Comment je l'ai vue? Bah, parce qu'elle était un peu transparente les yeux. Allez, la chute. Je suis avec tous mes potes ici, dans le grand bassin. C'est la piscine. C'est la piscine municipale des Philippines. So how do you do your noise? How do you learn? Oh my god. Ah, talent. On retourne sur le bateau pour aller jusqu'à notre prochain arrêt. Oui. On ne sait pas encore où c'est, je ne sais plus. J'oublie tout le temps à chaque fois le nom des destinations. Mais là, vu que tout le monde arrive, on va se sauver d'ici. Comme à la piscine. There we go. Et on tape, c'est ta façon d'aimer. Il y a même un petit bateau pour les enfants. Oui. Tu crois qu'il y a beaucoup de bateaux maintenant là? Oh là là. Il y en a partout. Ah oui, bouée de sauvetage. Hello. Hello. Aloha. Aloha. Ah, ok, c'est bien la gueule. On va faire du petit snorkeling maintenant. Masque tuba. Masque tuba. C'est parti, ça part en snorkeling. C'est bord de fail. Ils vont prendre la table pour nous et ils vont l'amener du bateau jusqu'à la plage. Ils sont en train d'amener la table. Il amène le repas, c'est trop drôle. Stylé. Waouh. Ouais. Waouh. Waouh.
Helicopter Island. Ça y est, on arrive sur l'Helicopter Island. Bon, l'eau est toujours aussi magnifique turquoise. Et on va aller explorer cette nouvelle île maintenant. Ça y est, on a trouvé notre petit coin privé. Juste ici, devant les touristes au fond. Avec une vue trop belle. Et l'eau là, elle est bleu turquoise. Hein. L'Helicopter Island, c'était sympa pour l'instant, sans plus. Moi, ça m'a pas transcendé. J'en ai même profité pour faire une petite sieste dans le sable. Et Vincent a fait un petit tour de Droni. C'était mignon, mais il y a beaucoup de monde. C'est une plage, donc faut trouver un petit coin pour soi, ce qui est possible. Mais après, il n'y avait rien de spécial sur cette île, à part une vue de folie et très très belle, évidemment. On retourne sur le bateau maintenant. Maintenant, on est emprisonné parce qu'il y a plein de bateaux derrière, on peut plus sortir. On est coincé sur cette île paradisiaque à tout jamais. C'était une sacrée journée une fois de plus. On a fait des trucs de fou. On a vu des paysages différents et des paysages magnifiques. Et toi Vincent, qu'est-ce que t'en penses de cette journée? Ah, moi je suis rincé là, j'en peux plus. Deux jours de bateau d'affilée, ça épuise. On dirait pas comme ça, mais c'est fatigant. Mais sinon c'était top, j'ai adoré cette journée. C'est à chaque fois différent. Il y a vraiment une diversité de paysages folle ici. Les îles sont toutes plus belles les unes que les autres et c'est vraiment très intéressant de tout faire. De retour sur le ponton, fin de la journée. On va retourner à l'agence. Ils sont super sympas dans cette agence, ils sont bien occupés de nous. Donc on va leur faire un petit coucou pour leur dire ce qu'on a pensé. Hello, we are back. Troisième pause, troisième snap. Stop. Et on va aller à Helicopter Island. Helicopter Island, c'est cette île juste ici. Celle-là, enfin, peut-être par là. On peut repérer cette île par sa forme.